Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica. Donc il nous faut des champignons acides pour pouvoir refaire une pile pour notre Sea Glide, champignons acides que nous pouvons trouver directement ici. Ok, on est bon. Crac, ça c'est fait. On refait une pile. On a ce qu'il faut. Ok, ça c'est bon. Maintenant, je sais que c'est pas le moment pour le coup de le faire tout de suite, mais alors déjà, là, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, et mon Sea Glide où il est là, ça c'est bon, je suis con. Ok, on est bon. 1. On avait 2 piles rechargées déjà sur nous, c'est cool. On a encore une. Ok, donc c'était bon à savoir. T'as encore gaspillé des compos, Marcus, mais c'est pas grave. Refais-toi un petit peu d'eau. Ça pourrait être cool. Voilà. On est bon. Bon. C'est pas trop trop mal. Franchement, en termes de... de ressources, on n'est pas trop trop mal. Maintenant, l'objectif, ça va être d'agrandir un petit peu cette base. Donc il va nous falloir un peu plus de titanium, je pense. Du titane, pardon. C'est les relents d'élite de commande. D'élite en chose. De. Crac. Ça va être ça. Ouais, pourquoi pas. Bref, moi ce que je voulais là-bas, c'était pouvoir ensuite remettre derrière ce genre de choses. Ou alors tout simplement, bah non, je suis bête. Quoique. On va le démonter. Ce que j'aimerais être en mesure de faire, en fait, chers amis, c'est de multiplier un petit peu les bioréacteurs. D'ailleurs, je ne sais pas du tout ce qu'il faut pour un deuxième bioréacteur. Du lubrifiant, exact. Il me faut du lubrifiant en plus. Ça, je peux le trouver à côté. Donc ça, c'est pas un problème en soi. Le problème, vous voyez, c'est que la truc est semée, je crois, que qu'au milieu. Donc ça, c'est un problème. Crac. Donc je sais pas trop comment je vais gérer cette histoire. Toi tu pousses petit à petit, toi aussi d'ailleurs, c'est cool. J'aimerais multiplier en fait tout ça. Bon, c'est pas le moment pour tout ça. Là ce qu'il nous faudrait, ce serait du quartz, chers amis, pour pouvoir commencer à stocker. Vache. Il fait carrément de l'ombre ce truc. Pour commencer à stocker un petit peu notre bordel dans la base. Ça c'est violent, je m'en rappelle, comme bestiole. J'ai l'impression que le quartz, c'est pas le genre de chose que je vais trouver facilement ici. Du sel, par contre, ça, ça va. De l'argent, ça a l'air d'aller aussi. Bonjour. Il en a toujours après moi. J'irai pas jusqu'à dire qu'il me saoule, mais j'irai pas non plus jusqu'à dire qu'il me fait plaisir. Parce que du coup, je viens de perdre du temps. Je sais plus ou moins ce que je vais faire maintenant. Je vais aller voir dans le truc ici, juste à côté. Allons-y. Ça vaudra sans doute le coup. Avec le quartz, je vais me faire un deuxième air tank. Vous aviez raison, hein. Je pense que je peux m'en mettre un deuxième. Encore faut-il que je trouve le quartz. Merde, je l'ai encore perdu de vue. Aïe. Ouais, je l'ai perdu de vue. Merde. Il
Ah, oh, fais chier. Fais chier. Il était juste là, putain. Mais ouvre les yeux, Marcus, franchement, ouvre les yeux. Allez, on y va. Ok. On est bon, on est chargé. Crac. J'ai ce qu'il faut. De toute manière, j'ai ce qu'il faut. Ça, c'est pour... c'est pas le bon. Si, c'était le bon. Bah alors ? Elle veut pas s'ouvrir comme ça, celle-là. Ça non plus, ça veut pas s'ouvrir. Et je suis censé faire comment ? Mot du gland. Bah bravo. Bravo, bravo. Locked. Bonjour. Comment je suis censé pour rentrer là-dedans? Comment c'est faire pour rentrer là-dedans? Putain, ici, juste ici, d'accord. Il y a un truc. Rechargeur de pile, je sais plus si je l'ai. Oui, je l'avais. Seaglide, je l'ai aussi, je suis con. J'ai cru que c'était le Seamoth. Chargeur de pile. Chargeur de pile, chargeur de pile. Je suis déjà allé là-dedans, quoi. Ça me dit vaguement quelque chose. C'est pas le bon. Seaglide. Seaglide. Bon, allez, on ressort. Ah! Voilà, c'est bon. On va préparer les outils une fois qu'on sera en dehors de l'eau. Voilà. Ce sera celui-là. Et on y retourne. Cette fois-ci, on fonce dessus. Hop, je dis ça et j'ai déjà pas le truc de base de sortie. Ok. Chargeur de pile là-bas, donc on n'en veut pas. Normalement, ils peuvent pas me suivre, hein, parce que c'est trop... L'IA est pas assez douée pour me suivre là-dedans. Allez. 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 Et si tu me dis que c'est juste une entrée par devant, je vais rager. Parce que je suis déjà allé à la porte. Hein. Drôle d'effet. C'est un cul-de-sac. C'est juste un cul-de-sac. Je vais revenir. Je vais revenir juste après. Je vais revenir juste après. C'est par où? C'est par là. Oh, ça va être short. Oh, ça va être short pour reprendre de l'oxygène. Non, ça va? Eh bé! On y retourne. On y retourne, on y retourne, on y retourne. Il doit forcément y avoir un truc dans le coin, c'est pas possible. Un truc hyper méga important. Forcément. Je creuse pas des trous dans les trucs juste pour le plaisir de creuser des trous dedans, quoi. Ah oui, il y a un bug visuel, effectivement, c'est la fête. Oh non, mais tout ça pour ça. Genre, seriously. C'était pour la chaise, c'est ça? Ok, bon bah voilà. C'est ce qu'on appelle perte de l'énergie pour pas grand chose. Et encore, je parle même pas du temps. Du temps perdu. Ok, bon bah oxygène. Ok. Où est la base? La base est là. On recherche du quartz. Et on ne s'arrête pas. Là je vois des grosses, grosses, grosses quantités de sel. Du sel, du sel, du sel. Du sel encore. Débris métalliques. Débris métalliques. Je m'en doutais. Je me suis inquiété, je me demande pourquoi. Euh...
Maintenant, de toute façon que j'ai une balise sur la base, on est un peu plus tranquille. C'est un trou, ça. Wow. J'ai vu un drôle de poisson rose, je sais pas vous. J'aime bien Marcus, il se lance là-dedans alors qu'il a 30 secondes d'oxygène. Sait-on jamais? Ah bah oui, tu devrais t'envoler encore plus haut. Du quartz. Donne à moi à du quartz. Cuivre. Toujours être intéressant. Du quartz. Parfait. Parfait, parfait. Du quartz encore. De mieux en mieux. Oh, on est dans les coussins péteurs. Putain. Oh non! Ne pète pas au nez. C'est pas agréable. C'est jamais agréable d'ailleurs. Oh mais! Putain, c'est ça qu'il me faut pour faire de la super eau. De la javel. Je crois que je l'ai eu. Oui, t'inquiète pas, j'y suis. Ok. Faudrait qu'on trouve d'autres débris. D'autres débris. Ou alors on va aller commencer. Alors du quartz, toujours plus de quartz. Hein. Inventaire plein. C'est plutôt une bonne nouvelle. On va aller à la base. On va à la base. On va se préparer à la base. On va prendre de la. On va se nourrir complètement. On va partir ensuite en exploration. Tiens, un tout petit peu de quartz dans le coin, c'est quoi ça? Tiens, dis-moi ce que c'est. De l'or. Bon, c'est pas ce qui m'intéresse pour le moment. J'ai pas encore trouvé d'utilité à l'or, je crois, en plus. Hein. Donc c'est un petit problème. Mais il va se résoudre tout seul. Il va se résoudre tout seul, vous inquiétez pas. Alors, petit lag. On y est. Oui, t'inquiète pas, je suis à la maison. Captain Arkia! Je suis le capitaine! Bref. C'est pas là-dedans. Marcus, c'est plus là-dedans. Quartz. Armure murale. Armoire. Verrouille, ce dont vous avez besoin. C'est quoi la différence entre armoire murale et armoire? Armoire murale. Stockage. 5 par 6, c'est armoire 6 par 8, c'est ça? C'est ça. Donc 48 emplacements dans l'armoire, classique. Il me faut du verre. Pour avoir du verre, il faut quoi déjà? 2 quartz. Bon bah, on va partir là-dessus. Même si c'est vrai que sur le nombre... Ah oui, non, c'est... Sur le nombre que je vais pouvoir en faire, effectivement, ça va pas être magique. Ah oui, c'est à poser au sol? Ah oui. Ah oui, si... Si j'avais su, j'aurais pas fait ça comme ça. Allez, hop. Non, tu sais quoi? Tu sais quoi? J'ai récupéré du quartz. C'est pas pour rien. Allez. Hop. Armoire murale. Et nous sommes bons. Alors. Crac. Ça c'est déjà pas mal, hein. On a fait un bel espace dans notre inventaire. Ok. Maintenant, on va aller voir au niveau de la bouffe comment ça pousse. Ça pousse. Ça pousse, ça pousse.
En termes d'énergie, on a combien? Il nous reste pas grand chose. On va aller chercher, chers amis, de quoi se faire ceci. On a le plomb. Il va falloir de ça aussi. Il faudra que je récupère le verre et deux titanes pour me faire un deuxième air tank. Hop, non, c'est pas le nom que je veux changer. Ok. Crac. Merci. Voilà, ça m'en fait deux. J'ai 105 secondes maintenant de trucs. Maintenant, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Oh! Le plomb, je l'ai. Faire de la faille, de la fibre. Alors, comment ils appellent ça? Parce que j'ai oublié une maille de fibre. Voilà, c'est ça. C'est un matériau de base. Non? Ah, j'ai cru. Si, voilà, c'est ça. Échantillon de vigne d'Orin. Pour ça, il va falloir ceci. Et les vignes qui sont ici. Vous voyez, c'est pas fait par hasard, hein. Rien n'est fait par hasard, chers amis, vous inquiétez pas. Inventaire plein. Allons-y. Bonjour. Tu veux passer boire un coup à la maison? Ok. Hop. Maille de fibre. Et je crois que je suis bon. C'est ça. Je prends le plomb. Et vous m'avez dit que normalement, quand j'aurais construit ça, j'aurais aussi un casque. Oui, il m'en faut deux plombs, pardon. Excusez-moi. Crac. Combien de fois je vais me planter? Voilà. Ajouter gants et casque. D'accord, ok. Parce que moi j'ai trouvé que le... Ok, cool. Moi j'avais trouvé que la combinaison. Ah d'accord, je peux pas porter le... Ok. Ah, on me dit qu'il faut que j'aille sur le vaisseau. C'est sans doute parce que j'ai récupéré tout ça. Pour le moment je pose tout ici. Et on va y aller. On y va. Hop, on est où dans l'épisode? 17 minutes, on a largement le temps. On rentre à la maison et on va aller dans l'Aurora. Nous devrions être protégés de toutes les radiations maintenant. Ce qui va être une très très bonne chose. J'espère que j'ai encore une pile de trop. Voilà, j'ai une pile en trop, c'est parfait. Il me faut aussi donc plein de choses, forcément, chers amis, vous vous en doutez. Principalement aussi tout ce qui est Simos, ce qui est un vaisseau, un, pardon, un sous-marin, pardon, un vaisseau. Ça ne va plus. Enfin bon, ça revient au même, plus ou moins. Je vais récupérer quelques... quelques airsacs, voilà, sur la route. Pour me refaire un petit peu de flotte. De toute façon, je sais que j'en trouverai un paquet sur la route. Toi aussi, je te récupère. Voilà. Merci d'être passé à la maison. Vous allez être correctement utilisé, ne vous inquiétez pas. Vous servirez simplement de nourriture à mon être ultime. Moi-même. Voilà. Bon. Attention, tu vas passer devant moi, toi? Oui, tu es passé devant moi. C'est con, hein. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin des poissons. C'est une nouvelle version de la Bible. Alors, allons-y. Hop. Non, c'est dans la cuisine, Marcus. Voilà. On va se faire un petit peu beaucoup de flotte, hein. C'est comme ça, hein, mais vu la qualité sont la paire, je pense que c'est plus que nécessaire. Ah d'ailleurs, si j'aurais pu faire de la javel aussi, je me suis, j'aurais dû, ça m'aurait fait de la flotte de meilleure qualité. Le Piper. Je dois avoir deux boomerangs au total.
Un seul. Bon, bah tant pis. Ok. Voilà. De toute façon, ça revient même vu que je suis tout bon. Ok. Allez. Un dernier petit plongeon, chers amis. Et donc, selon vous, selon ce que vous m'avez dit, il faut que j'aille plutôt par l'arrière, apparemment, et que je sois inventif. Je sais pas ce qui est le plus compliqué, aller par l'arrière ou être inventif. Et il m'avait dit de faire attention à ce qu'il y a dans la profondeur aussi, mais ça c'est en règle générale j'imagine, ou... Non, parce que je sais qu'il y a dans cette zone là, il y a un gros truc. D'ailleurs, y aller de nuit, c'est peut-être pas la meilleure des idées que j'ai eues. Remarque, apparemment la truc marche bien. Qu'est-ce que c'est? C'est le vaisseau qui ronronne ou c'est... Console d'amélioration pour véhicule, je prends. Ok, schéma débloqué, bah comme quoi, vous voyez. J'aimerais bien qu'il fasse jour. Honnêtement, je préférerais qu'il fasse jour, là. Transmetteur de puissance, pourquoi pas. Je crois que je l'ai, hein. Ouais, je l'avais déjà. Ah, mais si je suis hors dehors de l'eau, tu pourras pas m'avoir. Hein. Ah ah. Ah, t'as pas l'air d'un con, hein. Si tu verras là-bas. Est-ce que je fais une ellipse pour attendre le jour? Ouais. Self-scan. Infecté. Je suis malade. Oh merde. Qui pourrait se mettre à faire jour, s'il vous plaît? Ce serait vraiment cool. Parce que là, j'y vois vraiment que dalle, en fait. Alors, je sais bien que je pourrais prendre ma pétoche, mais... Vous êtes sûr qu'il y a pas moyen de rentrer en passant par là? C'est quoi, ça? Un caillou. C'est un caillou, Marcus. N'aie pas peur d'un caillou. C'est pas eux les pires. Bon, par contre, je vais prendre ma pétoche, parce que là, ça va plus. Allez, 5. Voilà. Oula. D'accord. Oula, les textures sont... sont moyennes, dit-il. Ah, je vois un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Canon en propulsion, ça m'intéresse. Je l'avais pas. Autre caisse. Ça doit être le même. Ouais. Donc pas de raison de paniquer. Oh. Ça, je sais pas ce que c'est. Des débris. Tout bêtement. Canon à propulsion, je l'ai déjà. Réservons nos piles. Wow. D'accord. Canon à propulsion encore. Alors, ça se trouve, j'ai pas fait le tour par le bon sens. À tous les coups, ça va être ça. C'est bon, y a pas l'air d'y avoir trop de bestioles ni rien là-dedans, donc finalement, c'est peut-être pas si mal. J'ai peut-être pas fait le mauvais choix finalement. Encore canon en propulsion? Oh putain. Par contre, on aurait peut-être dû vérifier aussi sous l'eau ce qui se passe. Ça aurait peut-être pas été une mauvaise idée, ça. Ok, j'ai récupéré un petit peu d'oxygène, je vais voir là-dedans ce qu'il y a. Propulsion, mais y'a que ça en fait. Putain, j'espère que je vais trouver autre chose parce que... Enfin, autre chose, mais des choses gentilles. Je veux pas me faire défoncer.
S'il vous plaît. Ah putain, j'ai pris... Non, j'ai pas pris l'angle encore. Ouais, c'est bien ce qu'il semblait, je t'avais vu te planquer, toi. Encore la même chose. D'autres débris. Un autre lion. Un gros truc de quartz. Oh, nom de Dieu. Tu te planques vraiment dans un endroit de... De Vislar, toi. Ah, je peux pas passer. Donc je vais remonter, parce que si je peux pas passer par les trous... J'ai rien dit. Apparemment, je peux grimper là. Wow, il y a de la sale bête. Par contre, j'aimerais bien que tu te serves de ton couteau. Donc apparemment, je m'en sers. Ça se voit pas, mais je m'en sers. Ok. Où est-ce qu'il est ? Voilà. Me coince pas dans le truc, s'il te plaît, merci. Tu te calmes, Johanna ? Ok, c'est bon. Encore de la sale bête, hein. Ah, par contre, faudrait que j'arrive à rentrer là-dedans, mais je peux pas. Ah, peut-être que si je le déconstruis. Non, je peux pas. Rampant... Ah oui, ça c'est le rampant des cavernes, d'accord. Oula, il y a un bruit de... Ah mais merde. Je me coince dans les bouts. Ce qui dit comme ça peut sembler très dégueulasse, mais... Je peux pas me crouch ? Apparemment non. D'accord, donc c'est pas par là apparemment qu'il faut rentrer. Oh ! Oh non, pas de la plateforme. Non, pas de la plateforme ? Oh bah apparemment c'est pas par là du tout, hein. Je me suis planté. Ah attendez, il y a un autre endroit pour passer ici. Apparemment. L'exploration n'est pas conseillée. Bah de toute façon, il y a... La tentative de survie dans un environnement nautique n'est pas conseillée pour l'homme à mon avis non plus, hein. De l'eau désinfectée, cool. Je peux pas te scanner toi? Non. Ah non, forcément. Ok. Donc est-ce que l'exploration va être si badass que ça? Raté. Ça, ça monte dur, eh. Wow. Encore. Encore de l'eau. La vache, oui, ça doit être violent, à mon avis, comme explo. Pourquoi je me suis lancé là-dedans? Qu'est-ce que c'est? Batterie haute capacité? Ah, ils ont bouffé des humains, eux. D'accord, ok. C'est drôlement... Drôlement rassurant. Je suis un joueur de jeux vidéo. Comment oses-tu me prendre... Oh, la vache. Oh. Ah. Ok. Par contre, je vois des flammes et je pense pas avoir beaucoup de... haute capacité, pourquoi pas. Beaucoup d'extincteurs sur moi. Ah bah. Encore une fois, j'ai ouvert ma bouche trop tôt, désolé les amis. Ok, bon. Alors clairement, on va en avoir besoin, hein, donc... boum, déjà. Ça fait du bien, 100%. Ah bah, les deux sont à 100%, cool. Du coup... Je vire la pétoche. Et je veux minimiser... tous les dégâts. Incendiaire que je peux prendre. Alors je sais pas, le problème c'est que je sais pas si je...
D'accord. C'est pas là où la fumée va, c'est là où je vise. Il y a un truc dedans, attendez, 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 attendez. Il y a un truc là, il y a un truc. Ramasser la pile. Voilà, c'est bon. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Canon à propulsion, mais je l'ai déjà. Je l'ai dé... Oh, c'est parce qu'il va être nécessaire. Non! Non, je peux m'amuser à faire un aller-retour. Aïe. Ok. Datapad. Je peux pas analyser le stylo? Non. Oh. Faut vraiment qu'il règle le problème de... Oh, une poubelle. Ok, le problème c'est que je vois pas quand je scanne ou pas. Oui, bon bah voilà. D'accord. Terminal de données, téléchargement, d'accord, ok. Oh! Je peux ramasser le poster, cool. Cool. On peut ramasser ça, ok. Donc je suis venu pour une poubelle. Parce que j'imagine, ouais, bizarrement, je sens bien le gros coup venir. Non, je peux passer là. Ça veut dire que c'est un mur invisible ou... Je crois que c'est un mur invisible. Tentons autre chose. Tentons autre chose. Tentons autre chose. Est-ce que ça peut s'éteindre celui-là? Apparemment non. Ah la vache! Il a pas... Aïe! Fait ce que je voulais exactement. C'est ce que je viens de lâcher. Aïe, bon, on va arrêter là, on va prendre le... On va aller apprendre et construire... Ah merde, non, je voulais pas le lâcher, je voulais l'utiliser en fait, à vrai dire. Ah! 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 Attendez, il est là. Voilà! Voilà, merci. Donc on va retourner à la maison, construire le... Alors, on va déjà aller voir ce qu'il faut. Propulsion canon! Amélioration du propulsion... Ah, d'accord, apparemment j'ai des améliorations de trucs que je n'ai pas. Kit de câblage avancé. D'accord. En espérant que j'ai ce qu'il faut, j'espère qu'il faut pas un diamant pour un... Je vais quand même regarder avant. À quand une recherche par texte? D'accord, toujours pas. Kit de câblage avancé, de l'or x2 et un circuit intégré. Donc 2 d'argent et 2 d'or. 2 d'or, je les ai, mais à la base. Et j'ai vraiment pas envie de me faire l'aller-retour. Alors honnêtement, je pensais tomber dans l'eau là. En tout cas, il n'y a pas tant de danger que ça dans le coin, si je puis dire. Je pensais qu'il y avait des gros trucs, des grosses saloperies qui te bouffaient même jusqu'à tes petits sous-marins. Apparemment. Pas grand monde de ce don. Ah, il y a peut-être encore un truc à fouiller en bas, j'ai l'impression. Par contre, l'objectif serait pas de passer par en dessous, serait d'essayer de s'en sortir. Merde, ça se trouve, il y avait de l'or et de l'argent juste à côté, je les ai complètement loupés. Non, apparemment, il n'y a même pas une boîte en fait dans le coin, donc. Donc ça a l'air d'aller. On va refaire le tour. Putain, on est vraiment... Ah oui, d'accord, on n'est pas au bon endroit du tout. C'est pas grave. Oula! Oh putain. Ok.
Qu'est-ce que... Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. Ok. Ok, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Ouh, j'aime pas cet endroit. Ouh. Ah, ça va. Attendez, de la saloperie un peu plus violente. Encore? Faut arrêter de me donner toujours les mêmes choses, hein. C'est saoulant à la fin. Ah, il doit y avoir des trucs à ses pieds. Oups, c'est quoi ça? Ah, d'accord, c'est un bug. Ok. Merci de m'avoir précisé au moment opportun. Question, est-ce que je vais choper que du titanium ou est-ce que je peux choper par exemple un des compos nécessaires à un moment? Non, apparemment, je suis niqué, quoi qu'il arrive. Ok. Donc il va me falloir de l'argent et du titane. Eh ben on n'est pas rendu hein, comme on dit. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Débris métallique classique, ok. Ça c'est quoi? C'est du plomb, du titane sans doute, un gros truc de titane. Ok. Attendez, peut-être qu'il y avait un peu de bol. Du cuivre. Du titane. Attendez, 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 peut-être qu'avec un peu de bol. Est-ce que je peux choper un oiseau pour le cuire? Non, je peux pas. Peut-être que dans le coin, on va tomber des choses intéressantes. C'est possible. Ça, c'est un truc qui se casse ou c'en est pas? Non, c'en est pas un, ça. C'est possible. Tout est possible, tout est réalisable, n'est-ce pas? Dès que je dis n'est-ce pas, je pense qu'il y a une seule personne. Oh, je vais me tuer. Cette histoire va très très mal finir. Cette histoire va très très mal finir. Merci pour le quartz. Merci pour le quartz. Bestiole! Du plomb, c'est pas ce qui m'intéresse du tout. Encore? Alors je me suis coincé, j'ai été coincé dans un mur invisible il y a quelques secondes. Ça ne s'est pas vu chez vous. J'aime pas l'endroit. J'aime pas l'endroit, j'aime pas l'endroit, j'aime pas l'endroit. J'aime pas la musique en fait. La musique me stresse. C'est pas la musique de quelque chose de... Vous savez, de quelque chose qui se passe et qui est bien. Par contre, c'est vraiment au beau milieu de... De l'autre côté, quoi, qu'il faut que j'aille, hein, c'est... Mais qui tombe en panne de pile à ce moment-là? Il dit, je suis au beau milieu de nulle part et j'ai plus de pile. D'accord, ok. Ok, donc ça c'est un des gros réacteurs, ok, je capte. Je cautionne. Je pensais tomber face à de la grosse saloperie, mais finalement, ça va. On va dire ça va. Par contre, ils ont vraiment cherché à s'assurer que on trouve le propulsion cannon, hein, parce qu'il y en a un million. Minerai d'argent 1. Plus que deux autres à trouver. Une pile. Je sais, il me reste plus que moins de 30 secondes, chers amis, ne vous inquiétez pas. Je suis au courant. Mais je suis pas très bas. Ok, on y retourne. J'aime les lumières. Hop, l'argent, 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 l'argent des abonnés, l'argent des abonnés. Si je pouvais trouver deux d'argent et deux d'or dans le coin, ça serait cool. Je gagnerais un temps monstrueux. Merde, j'ai pas vu, il y a un truc qui est tombé, mais j'ai pas vu ce que c'était. C'est que ce bordel. Putain!
Casse-toi, sac à caca. Putain, j'ai pas vu ce que c'était. Fais chier. J'ai perdu un compo inutilement. C'est quoi ça? C'est une poubelle. Apparemment, ça, je peux le récupérer. Je ne sais pas ce que c'est. Équipement de laboratoire. Je peux pas le scanner, tout simplement. Non, apparemment non. Oui, j'ai oublié. J'ai oublié. Je l'ai entendu, mais j'ai oublié de le faire. Crac. J'ai oublié de respirer. Merde, manquait plus que ça. Intéressant aussi, ça. Intéressant. Équipement de laboratoire, c'est juste un objet à poser, ça. Hein. Ni plus ni moins. Ça, par contre, ça a scanné, apparemment. Biohazard, trashcan. Ok. Je prends, hein. Je prends à peu près tout ce qui me passe sous les doigts. Je dois admettre que là... Ok. Seaglide. Seaglide, je l'ai déjà. C'est le truc que j'utilise. Oui, d'accord. Ouais, je sais bien, mais j'aimerais bien trouver... de l'argent. J'ai l'impression que le problème c'est toujours l'argent. C'est vrai, je crois que c'est pas la première fois que je cherche dans le jeu de l'argent. De manière. Il y a deux blocs qui se sont retrouvés là donc. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Fragment de Simos! Cool! 2 sur 3, il m'en faut encore un. J'ai vu ta queue. J'ai vu sa queue. Ce qui dit comme ça peut paraître dégueulasse. Mais c'est pas dans ce sens là. Ouh, il y a une fente là. Oh, je parle de queue et de fente dans cet épisode, ça va plus. Non, je veux éviter d'y aller en fait là-dedans. C'est pas le moment, il me faut justement le Simos pour ça. Et je l'ai pas, hein. Je suis pas prêt de l'avoir, j'ai l'impression même d'ailleurs. On en est où dans l'épisode? Bon, t'as 40 minutes là, c'est pas possible. Hop. 42 minutes effectivement, donc les amis, nous on va se laisser là pour cet épisode, merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yop!